Et salut à tous, aujourd'hui on parodie la cour des miracles. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bah parce que mon terrain est complètement vide, le terrain de l'adversaire est rempli de tueurs, 2600, 2500, 2000, 2000, 1800, c'est-à-dire les 5 monstres les plus puissants du truc, rassemblés sur un seul terrain. Mais on va quand même réussir à s'en sortir parce qu'on a un mur de cartes, magie et pièges. On va jeter un rapide coup d'œil au score. Vous voyez 3200 pour l'adversaire, 1050 pour moi. Donc je ne me suis pas laissé un large champ d'erreur. Je dois forcément activer toutes mes cartes dans le bon ordre. J'ai une main de 6 cartes, donc ça devrait aller. Et parmi ces 6 cartes, il y a le beau, le grand, l'unique Cyberdragon qui, malgré le fait qu'il soit de niveau 5, peut être invoqué spécialement sur le terrain parce que mon adversaire contrôle au moins un monstre et moi, j'en contrôle aucun. J'en contrôlais aucun jusqu'à ce qu'il arrive. Du coup, je peux toujours faire une invocation normale et je choisis de faire l'invocation normale de Capitaine en Maraude. Ah, mais lui, il n'est pas content et il chaîne trappe. Comme c'est une invocation normale, il pourrait détruire mon monstre puisque Capitaine en Maraude a été invoqué et qu'il a plus de 1200 points d'attaque. Mais on va pas se laisser faire, nous. On va activer cet outil du bandit en payant 1000 points de vie. On annule l'activation de la carte piège de l'adversaire. Donc, Capitaine en Maraude n'est pas détruit. Et il a réussi son invocation normale. Et donc, Sangan arrive. Voilà. Parce que quand Capitaine en Maraude est invoqué normalement, il peut invoquer un autre monstre depuis la main. Bon, du coup, moi, j'ai plus que 50 points de vie. Hein. J'ai plus du tout de marge d'erreur, là. Si je perds quelque chose, c'est foutu, c'est mort, c'est... Voilà. On va faire une invocation Xyz en superposant Capitaine en Maraude et Sangan, ce qui va nous permettre d'invoquer Mello Melody, le génie de la trompette. Et on va chaîner effet Xyz. Effet Xyz, c'est lorsque j'invoque un monstre Xyz, je peux détruire une carte sur le terrain. Et je décide de détruire numéro 39 Utopie, qui donc dégage avec tous ses matériels Xyz. Du coup, il ne peut plus annuler d'attaque l'adversaire. Donc ça, c'est déjà un bon point. On a réussi à faire ça avec quand même assez peu de cartes. Maintenant, on va activer une nouvelle carte piège qui est Interruption de Raigeki. En envoyant une carte de ma main au cimetière, j'ai le droit de détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. On va détruire Givrosaur qui est le plus puissant ensuite. Hein. Voilà. Donc cette carte c'est bon, c'est fait. Ensuite, j'active Inverseur de limite, qui me permet d'invoquer un monstre avec moins de 1000 points d'attaque en position d'attaque sur le terrain. Ah, ça sent la Xyz, mais pour l'instant, comme ils peuvent pas, on va utiliser Changeur d'étoile pour transformer Cyberdragon en un monstre de niveau 4. Maintenant donc, on peut les superposer sans peur, puisqu'on les superpose, tac, toi tu t'en vas. Et hop, voici venir Maestroquet, le génie de la symphonie. Ça vient bon là les gens. On active énergie Xyz. Donc en envoyant un matériel de la main, enfin du thé de Maestroquet au cimetière, on peut détruire un monstre sur le terrain. Ça vient bon, je vous dis. Maintenant, on va utiliser l'effet de Mello Melody, envoyer un matériel au cimetière. Donc, Maestroquet peut attaquer deux fois. Alors, il va attaquer une fois le golem Gogogo. Mais. Maestroquet, il a 1800 points d'attaque. Géant Gogogo, il en a 2000. Comment on va faire ça? Tadam! Boost d'ego! Lorsque je déclare une attaque ou lorsque l'adversaire déclare une attaque, je peux activer cette carte et sélectionner un monstre. Donc, en général, le monstre attaquant quand c'est moi qui déclare une attaque et le monstre attaqué quand c'est l'adversaire. Hein? Et le monstre que j'ai sélectionné gagne 1000 points d'attaque pendant toute la battle phase. Donc, pendant toutes ses attaques, il pourra, enfin, il gagnera 1000 points d'attaque. Donc, il passe à 2800. Donc, il est plus fort que Géant Gogogo. L'adversaire perd 800 points de vie. Ensuite, il attaque Golem Gogogo, qui a que 1800 points d'attaque. Donc l'adversaire perd 1000 points de vie. Il a perdu 1800, donc il n'est plus qu'à 1400. Oh ben, 1400. C'est cool ça.
C'est exactement ce qu'il a, Mello Melody, le génie de la trompette. Donc, attaque directe. Boum! Et voilà comment on remporte un match avec un mur entier de cartes magie et pièges. Surtout que voilà, du coup, vous avez pu en voir pas mal à l'œuvre, comprendre leurs effets. Bon, à la prochaine alors. Je pense qu'on en vient bon des mises en pratique. Bientôt, vous aurez vu toutes les cartes. Allez, salut!